Welcome to Moïse Mbiyé Ministries. Moïse Mbiyé Ministries. Venez rencontrer Dieu. This program is brought to you by Moïse Mbiyé Ministries. Hier, on a enseigné ici. Le Belekito Tangisaki Awa. Sur la spiritualité. Ikolo Yakimolimo. On a dit beaucoup de choses hier. Tobaki Makambe Bele Lobieleki. J'avais dit que Alobaki était la puissance que le diable utilise. Nguya o diabolo salelaka. C'est ce qu'il récupère chez nous. Isa nguya o yazwaka epana biso. Le diable a récupéré chez Adam. Diable azwaki nguya epa Adam. Toute la puissance pour gouverner, pour contrôler la terre. Nguya nyoso pona kokonza pe pona koyangela mukili. Et les démons. Les démons ont besoin de récupérer ce que nous avons. Ils n'ont plus accès à la source. Tout ce que je dis, je prouve ça avec ma Bible. La Bible dit, lorsque Adam a péché, l'Éternel a envoyé des chérubins. Les chérubins sont allés se placer sur le chemin qui mène à l'arbre de la vie. Lorsque Adam a péché, les chérubins sont descendus pour barrer l'accès qui menait à l'arbre de la vie. Et c'est là que l'accès à la chose qui fait briller, à la puissance a été barré.
Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a encore ouvert ce chemin à tout le monde. Tous ceux qui croient peuvent encore manger de cet arbre de vie. Et le diable, parce qu'il sait qu'il n'est pas juste, la justice n'est pas en lui, et que cet arbre est réservé, le fruit de cet arbre est réservé qu'à ceux qui sont déclarés justes. Et nous n'avons pas été justifiés par nos œuvres, mais justifiés par la foi. Le jour où tu as cru, tu as été déclaré juste. Et c'est ainsi. Le diable, à cause de son injustice, il n'a pas accès à cette source. Alors pour opérer, il a besoin de force. Mais cette force, il peut avoir ça en toi. Voilà pourquoi ceux qui sont puissants, ceux qui ont de grandes missions, sont des cibles pour le monde des ténèbres. Donc le jour où le monde des ténèbres fait de toi une cible, dis-toi, c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que ce que tu as, c'est ce que le diable veut posséder. Tu me comprends? À cause de ta mission, les tombeaux s'ouvrent. Des démons se lèvent juste pour te détruire. Il existe des missions qui ouvrent des tombeaux. Des missions qui alertent le monde des ténèbres. Il y a des missions qui attirent des démons. Donc dès que tu nais, les démons sont alertés. Ils savent qu'il y a quelque chose. Et laissez-moi même vous dire, lorsque un missionnaire, quelqu'un qui a quelque chose de fort spirituellement, lorsque cette personne veut entrer sur la terre, dans les cosmos, il y a des signaux. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans toute la Bible, chaque fois qu'il a fallu qu'un enfant puisse naître, mais un enfant avec une grande mission, vous voyez que des rois, des princes se levaient pour combattre l'enfant. Pourquoi? Parce que à cause de ta mission, à cause de celui qui a une grande mission, quelque chose peut se passer. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer comment tu peux faire pour être spirituel. C'est ce que j'aimerais te dire ce soir. Il y en a qui enseignent la religion. Moi, je vais t'enseigner la spiritualité. Car le monde n'est pas religieux. Le monde est spirituel. Les religieux ne peuvent dominer. La religion met des limites au spirituel. La religion a été créée par l'homme. Dieu n'a pas créé la religion. Dieu est esprit. C'est tout ce que la Bible dit. Aucun jour Dieu a dit à Jésus-Christ a dit à ses disciples, à partir d'aujourd'hui on vous appellera chrétien. Non.
C'est les hommes qui ont créé la religion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Tu vas comprendre aujourd'hui. Et ça va beaucoup t'aider. 2 Timothée 1:6. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. J'aimerais dire, si l'apôtre Paul demande de ranimer un don, c'est-à-dire ce don existait déjà en Timothée. On ne peut ranimer une chose qui n'a pas existé. Alors pour commencer, j'aimerais te dire que tu n'es pas à la recherche de la spiritualité. Peut-être ce que tu penses. Ô Éternel, ô Yahweh, je veux devenir un homme spirituel. Ça, c'est la prière que tu fais. Mais quand tu fais cette prière, le Seigneur te regarde et dit, celui-là, il ne comprend rien du tout. Tu ne deviens pas spirituel. Tu es spirituel. Avant d'être charnel, tu es spirituel. Tu es d'abord spirituel. En toi, il y a plus de spiritualité que de charnel. Ta partie spirituelle est plus grande que ta partie charnelle. Quand tu commences à dire, Seigneur, rends-moi spirituel, tu es en train de demander ce que tu es déjà. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Tu vois, lorsque Dieu a commencé, il a dit, je vais créer quelqu'un qui va gérer, ok, qui va gérer les jardins d'Éden. Au départ, l'homme est un gestionnaire. Tu es né pour gérer. Tu es né pour être responsable. Tu es né pour des responsabilités. Donc si dans tes mains, il n'y a aucune responsabilité, c'est-à-dire soit tu es un enfant, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Dieu t'a créé parce qu'il a créé son jardin. Et il a fallu qu'un homme puisse diriger, contrôler toutes ces choses. Dieu forme la terre. La poussière, c'est ce que nous piétinons. Nous marchons sur la poussière. Tous les jours, quand on prend tes chaussures, on regarde derrière là, c'est la poussière. Mais regarde Dieu pour créer l'homme. Il va chercher où? Il descend. La poussière. C'est là qu'il va prendre. Donc, le jour où tu deviens orgueilleux, tu n'as rien compris de la vie. Tu comprends ça? Donc pour te créer, regarde-moi, pour toucher la poussière, je suis obligé de descendre. Donc Dieu est descendu. Dieu a manifesté de l'humilité pour te créer toi. Tu n'as aucune raison d'être orgueilleux dans la vie. Aucune raison. Aucune raison. Il prend la poussière de la terre. Donc si pour te créer, Dieu a manifesté l'humilité, pourquoi toi tu seras orgueilleux? Pour te créer, il fallait se rabaisser. Pour te créer, il fallait se diminuer. Pourquoi toi tu vas t'élever? Dis à quelqu'un, sois humble. Sois humble à cause de ton origine. Tu viens de la poussière. Alors sois humble. Dieu
Il récupère la poussière. Azui putulu. Il commence à former. Ligo bongisa. Il forme. Regarde ta beauté. Tala bonzenga na yo. Tu es belle, tu es beau. Osamwa si kitoko mobali kitoko. Mais est-ce que tu réalises yo sosola que quand Dieu t'a créé beau, et te tanza kelako mobali kitoko, quand Dieu t'a créé belle, osamwa kelako mwa si kitoko, quand Dieu t'a créé mannequin, tanza makela mannequin, il y a une chose qui manquait. Ezene loko moko yane ko zanga. Tu ne vivais pas. Wando akina bo moite. Dieu n'a pas pris la vie de la poussière. Il a pris le corps de la poussière. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas la vie qui a été tirée de la poussière. C'est le corps qui a été tiré de la poussière. Donc quand Dieu a formé le corps, il a fini. C'était un cadavre. Juste un cadavre qui était allongé là dans le jardin d'Éden. Maintenant Dieu a dit, ça, c'est le cadavre. C'est un corps sans vie. C'est comme moi. Je construis une église. Je finis. Les gens disent, oh c'est l'église là, oh quel temple, oh magnifique. Mais la seule chose qui fera que je me tape la poitrine, ça ne sera pas la beauté du temple. C'est lorsque je verrai ce temple rempli. Lorsque je verrai des gens venir et avoir des solutions. Donc, le problème, ce n'est pas la bâtisse. Le problème, c'est ceux qui entrent à l'intérieur. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est vous. Le jour où vous arrêtez de venir, on ferme les portes et c'est fini. J'aurai un temple, mais je n'aurai pas un culte. Est-ce que tu me comprends jusque-là? J'aurai un temple, mais pas le culte. Et le temple ne sera rien. La même chose avec le corps. Comme le corps, c'est comme le temple. Mais ce qui fait la force d'une chose qu'on a construite, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Un jour, j'ai cherché une maison pour louer. Je suis arrivé à côté d'une maison. Cette maison n'était pas spéciale. Sur l'autre avenue où on est passé, j'ai vu une belle maison. Mais on est passé. J'arrive là où je voulais louer. Le commissionnaire me dit, prends ici. Je demande pourquoi. Il me montre, regarde à côté. C'est l'ambassadeur du Cameroun. C'est tout ça. Il commence à me citer de nom. Pas par rapport à la beauté de la maison, mais par rapport à la personne qui était dans la maison. Donc cette maison avait de la valeur parce qu'il y avait un ambassadeur du Cameroun. Et il était devenu la référence des commissionnaires. Habite-tu, tu seras voisin de l'ambassadeur du Cameroun. La valeur de la maison dépendait de ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque Dieu crée l'homme, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est la maison. La partie extérieure, la poussière. Mais quand il finit, il souffla. Afoulaki. Sans ces vents, l'homme n'est rien. Dieu a formé l'enveloppe. Après, il l'a mis à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'on a formé l'homme, le corps, avant de donner la vie, que le corps a plus de valeur que la vie. Dieu voulait donner, mais il a formé ce qui va recevoir ce qu'il va donner. C'est juste ça. Et c'est là qu'il forme l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il a placé ses trésors dans des vases de
terre. C'est en rapport avec la création. Nous sommes des vases de terre, formé de la poussière. Mais l'apôtre Paul dit, il a placé son trésor. Donc la chose qui a la valeur, ce n'est pas le vase, mais c'est les trésors dans le vase. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ce qui fait de toi un être vivant, ce n'est pas le corps, c'est le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu, c'est ça la partie spirituelle. Dis, je suis spirituel. Je suis spirituel. Juste quand tu respires, quand tu fais, ça prouve que tu es spirituel. Juste ta respiration prouve que tu es spirituel. Tu es plus spirituel que charnel. C'est ce que tu dois savoir. Maintenant, il y a deux catégories. Il y en a qui ont développé. Ou encore qui sont restés là, qui ont gardé, protégé leur dimension spirituelle. Il y en a aussi qui l'ont perdu ou qui l'ont affaibli. Maintenant, cette dimension spirituelle a plusieurs étapes. Il y a la dimension spirituelle qui te permet de vivre, mais aussi une dimension spirituelle qui te permet de faire des exploits, de dominer, de régner sur toute chose. Hier, je vous expliquais. Mais regardez, je vais vous choquer. Dis encore, pasteur, charge-moi aujourd'hui. Pasteur, charge-moi aujourd'hui. Daniel 5. Quand Daniel m'a permis, je vais t'expliquer quelque chose de fort. Sois prêt. Sois prêt. Daniel 5, versets 11 à 12. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit. Il y a dans ton royaume un homme. Un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Ok, on y va. Et du temps de ton père. Pardon. Et du temps de ton père. Et du temps de ton père. On trouva chez lui des lumières. On trouva chez lui. C'est un homme qui est en train de parler à un héritier. Un roi est mort et il y a le fils du roi qui est venu. Alors cet homme est en train de parler de Daniel. Daniel n'est pas roi et Asika. Il lui dit, du temps de ton père, qu'est-ce qu'on a trouvé chez lui? Un, des lumières. De lumière. Deux, de l'intelligence. De l'intelligence. Trois, et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. On nous cite trois choses. De lumière. Deux, l'intelligence. Trois, la sagesse. Quand on dit de lumière, c'est ce que toi tu appelles étoile. Étoile nanga. De lumière. C'était un homme étoilé. Il avait gardé son étoile. C'est que le diable combat chez toi. C'est ce qu'on cite chez Daniel. L'étoile. Il avait l'étoile. Quand le diable te regarde, quand tu avances, il sait voir si ta lumière est forte, si ta lumière est faible. Il sait même voir si ta lumière est déjà éteinte. Et la vérité, c'est que ta lumière s'éteint quand on dit s'éteindre là, donc c'est fini. Ta lumière s'éteint que le jour de ta mort. Ça s'affaiblit. Mais tant que tu es vivant, il y a toujours quelque chose. Voilà pourquoi tu vois la Bible dire, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. C'est parce que ta lumière n'est pas complètement éteinte. Pourquoi en Europe, quand les gens meurent, on met des bougies? Pourquoi on met des bougies? La lumière, c'est le symbole de la vie. C'est pour dire, il est mort ici, mais là-bas il vit encore.
faut comprendre la spiritualité. Daniel avait la lumière. Le diable combattra toujours ça. Après la lumière, il a l'intelligence. Après mais regardez, on commence par citer la lumière avant de citer l'intelligence. Pour dire, si tu as déjà perdu ta lumière, le reste ne sert à rien. C'est si tu vois des hommes intelligents, mais qui échouent. Ils ont perdu le plus important, la lumière. Mwinda. Lève la main, dit personne ne volera ma lumière. Personne ne volera ma lumière. Dit personne ne va étouffer mon étoile. Personne ne va étouffer mon étoile. Celui qui a osé. Celui qui a osé toucher à mon étoile. Toucher à mon étoile. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu te poursuive. 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 Je récupère ma lumière. Je récupère. Je récupère mon étoile. Je récupère. Je récupère ma lumière. Je récupère ma lumière. Est-ce que tu me comprends? Quand le diable vient dans ta vie, c'est cette première chose qu'il cherche à voler. S'il a eu ça, ton intelligence n'est rien. C'est là que tu verras un pasteur, bon prédicateur, mais son ministère n'impacte pas. Elle est belle, mais elle n'impacte pas. Il parle bien, il réussit à l'école, il a tous les diplômes, mais il n'impacte pas. Le problème c'est la lumière. Mwinda. Shining. Mwinda. La lumière. Mwinda. Que personne Mutata mon côté n'ose toucher à ton étoile. Ame kako simba monzoto na yo. Il faut refuser ça. Isengili ko boyango. N'ose pas. Les occultistes, c'est tout ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, je vais t'enseigner des choses graves. Pourquoi ils cherchent ça? Parce que eux n'ont pas accès à la source. Il va prendre chez toi pour utiliser. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi l'occultiste ne vole pas chez une seule personne, il va chercher à voler chez plusieurs personnes. Daniel, on continue. Ça va te faire mal au cœur. Écoute, c'est pas biblique. Qu'est-ce qu'on dit après? Aussi le roi Nabucodonosor, ton père, le roi de ton père. Cet homme-là dit, ton papa lui avait donné un poste. C'est-à-dire dans le royaume de Nabucodonosor, il y avait plusieurs ministères. Ministère des affaires foncières, ministère du plan, finance, tout ça. Et puis on a créé un ministère de la spiritualité. Qui était ministre? Daniel. Maintenant écoute, ce qui va te faire mal au cœur. Quoi? Ton père l'établit chef des magiciens. Attends, chef de qui? Konsabanan. Tu fais ça, hein? Chef de qui? Des magiciens. Bon, attends. C'est là. Les magiciens, c'est une puissance satanique, ok? Daniel est un serviteur de Dieu. Normalement, on devait créer des ministères. Les magiciens à côté Nabango, Daniel à côté Nae. Mais pourquoi on met Daniel? On prend tous les autres, on met en bas. Daniel, magicien et qui encore? Des astrologues. L'astrologue, ça veut dire bateau bakot batanga be toi loin. Bandoki. Qui encore? Des chaldéens. Hein, qui encore? Des devins. Qui encore? Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé un esprit. Par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. On l'a placé chef. Tu entends? Chef. Ce n'est pas parce qu'il était serviteur de Dieu. Non. C'est pas.
C'est pas tout serviteur de Dieu qui peut occuper ces postes. Et si on ne dit pas parce qu'il était israélite, non. Ce n'est pas une affaire de nationalité. Ce n'est pas une affaire de religion. La religion te limite. La spiritualité t'élève. Ici, on a pris toutes les religions. On a rassemblé ça dans un seul ministère. On cherche qui va gouverner. Maintenant, dans les critères, pour chercher les ministres, il fallait quelqu'un dont la puissance surpasse tout le monde. Donc, sa puissance va au-delà des sorciers, des marabouts, des francs-maçons. Quand ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé qui? Dis Seigneur, donne-moi cette puissance-là. Seigneur, donne-moi cette puissance-là. Tu comprends aujourd'hui? Oui, ça, ça, l'élo. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de croyance. C'est une affaire de dimension. Vous êtes tous spirituels. Toi et les sorciers de ta famille, vous êtes spirituels. Toi et ton oncle qui maudit, vous êtes spirituels. Vous avez un point commun. Vous tous, vous êtes spirituels. Maintenant, quand les hommes spirituels se réunissent, il faut que quelqu'un domine. Celui qui domine, c'est celui qui est supérieur. Religieux devient spirituel. Daniel s'élève. Daniel a tombé à mi. Il gouverne. Je connais ça. Tu vois? Je suis choqué. Je suis choqué. Dans ce pays. Quand on voit un homme de Dieu assis à un endroit où il y a des pêcheurs, où il y a des occultistes, vous ne comprenez rien du tout. Vous ne comprenez rien du tout. Il y a des hommes à qui Dieu a donné un esprit supérieur. Ils ont travaillé ça. Ils ont développé ça jusqu'à s'élever au-dessus des francs-maçons. Des ils s'élèvent au-dessus. Et lui, à son tour, lorsque la Bible dit qu'il dirigeait, c'est-à-dire les sorciers étaient soumis à la puissance, à l'autorité de Daniel. Donc quand les sorciers voyaient Daniel, il faisait ça. Pas parce qu'il est enfant de Dieu, mais parce que spirituellement, Daniel a dit l'icolo. Dis, je monte au nom de Jésus. Je monte au nom de Jésus. Dis, je change de dimension au nom de Jésus. Je change de dimension. Dis, je change de dimension au nom de Jésus. Je change de dimension au nom de Jésus. Tu dois comprendre. Oh, yes, Seigneur, le sosola. Vous lisez la Bible. Autant la Bible. Mais vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que sosola a dit? La Bible dit quoi? Il est sur le banni. On lui a donné le nom. Papa c'est combo. Qui est élevé au-dessus de tous les noms. Oui, c'est l'icola ba combo nyonso. Et on dit encore. Pe balobi lisus. En son nom. Na combo na ye. Tout genou. Ma bolongo nyonso. En son nom, tout genou. Fléchissent. Quand on dit tout genou, ce n'est pas seulement les chrétiens. Ce n'est pas votre bébé de la famille. Ce n'est pas les cadets de votre famille. Même les sorciers, même les occultistes, les marabouts, les francs-maçons, les illuminati, les gens de Rose-Croix, ils vont s'agenouiller.
nyoso ba fuka ma. Glory to now, c'est mine. Pourquoi ils vont s'agenouiller? La Bible dit parce qu'on lui a donné le nom qui est haut. Donc le problème ce n'est pas la foi, le problème c'est la dimension. Change de dimension, change de dimension. Ceux qui sont appelés à t'obéir, ce n'est pas seulement les enfants de la chorale. Donc il n'y a que les enfants de la chorale qui obéissent. C'est-à-dire que tu n'as rien compris. Ta dimension doit aller au-delà de ta zone. Ta domination doit aller au-delà de ta zone. Ton influence doit aller au-delà de ta zone. Ton impact doit aller au-delà de ta zone. Ton influence doit aller au-delà de la religion. J'ai vu un débat à la télé. Pourquoi les chansons de Moïse Mbie jouent jusque dans les boîtes de nuit? Banane, ils débat. Banane. Des pasteurs. Ma pasteur. Comme ils sont ignorants. Pourquoi bah yébi l'autre côté? Notre influence doit aller au-delà de la zone. Domine au nom de Jésus. Consonne comme la Jésus. Lorsque ton influence commence à aller au-delà de ta zone, ça veut dire ton esprit devient supérieur. N'influence pas seulement ta famille. C'est interdit que tu meurs en influençant seulement ta famille. Va au-delà de ta zone. Est-ce que je peux te poser une question? Donne-moi le nom d'une seule personne qui est allé loin avec Dieu dans la Bible, qui a régné seulement dans son pays. Un seul. Abraham. Dieu lui dit: sors de ta patrie. Joseph. Il est allé régner en Égypte. Jésus lui-même, il règne même au Congo ici. Va au-delà de ta limite au nom de Dieu. Daniel lui-même, Daniel, il est allé régner à Babylone. Esther est régné ailleurs. Tous ceux qui sont allés loin avec Dieu sont allés au-delà de leur zone. Parce que l'esprit supérieur va prendre ta terre et va commencer à réclamer la terre des voisins. Domine dans ta maison. Domine dans ta maison. Quand tu finis de dominer dans ta maison, domine chez les voisins. J'ai dit à quelqu'un: domine chez les voisins. Je suis allé dans des pays en Afrique. Je trouve des gens qui viennent me voir à l'hôtel. Pasteur, vous les Congolais, on entend votre musique ici. Vos pasteurs sont influents ici. Mais pourquoi nous, on ne vient pas dans votre pays? Vous ne nous ouvrez pas les portes. Tant que tu cherches qu'on t'ouvre la porte sur cette terre-là, tu vas mourir malheureux. Personne ne va t'ouvrir la porte. Là où la puissance est grande. Bikuke fongwa maka.
Le spirituel n'est pas limité par des murs. Le spirituel n'est pas limité par un fleuve. Le spirituel n'a pas de limites. Si je domine au nom de Jésus, je domine au nom de Jésus. Si je domine au nom de Jésus, je domine au nom de Jésus. Les sorciers, quand ils te voient, bandokita, ils savent. Baye baka. Ils savent. Baye baka. Ils savent que lui, on ne peut pas jouer. Pourquoi? Il regarde quoi? Ton esprit. Quand on dit l'esprit supérieur, le monde spirituel est comme une armée. Ce n'est pas parce que tu es militaire de Kanseta que tu vas manquer le respect au général de Camp Kokolo. Tu peux être dirigé par un autre. Mais chez les militaires, les général restent général. Général. Donc même si tu es de l'armée de l'air, quand tu croises un général, il faut kauka. Le saco. Kati le saco. Pourquoi? Parce que pouete. Les grades, ba pété. Le niveau, et puis melo. C'est une affaire de grades. C'est pas une affaire de groupe. Les caporal de l'armée de l'air caporal Alipingami Pepe va aller se plier là-bas chez un général de l'armée de terre. Et pas général Azo Kamali Pingami. Pourquoi? Ils sont différents. Pas le même département. Pas la même mission. Pas les mêmes armes. Mais pourquoi ils se plient? C'est la même chose avec le christianisme, la spiritualité venant de Dieu et le diable. Donc quand il te croise, si lui c'est un caporal, un caporal chez le diable, et pas diabolo. Quand il te croise, et que toi tu es général, yo ça général, chez Dieu, et pas ensemble, lui, yeah. Tous genoux fléchissent. Ma balle on se fout comme. Mais maintenant, Sikoyo, le saco. Maintenant, Sikoyo, l'inverse. Makame baluki. Si toi qui es en Dieu, ce qui est toi en Jésus. Tu es un caporal. Ou caporal. Sur ta route, Nanzela na yo, tu croises un sorcier. Okute nan document qui est général. Oza général. C'est toi. Eza yo. Do buka mabolongo. Dans les problèmes, le kambo, c'est la dimension. Eza epimelo. Ta spiritualité. Kimo limo na yo. Maintenant quelqu'un sera en train de dire, donc ça veut dire ils ont qui pété. Maintenant c'est ici que je vais t'enseigner une grande vérité. Donne-moi 5 minutes, mets-toi. Oh. Dis encore, pasteur, charge-moi, charge-moi. Pasteur, charge-moi. C'est ce que les enfants de Dieu, vous ne comprenez pas. Dans ma vie, j'ai rencontré des gens. Un jour, on est allé à Maluku. Comment tu es à Maluku? J'avais un rendez-vous avec un bourgmestre là-bas. Une affaire de terre. On est arrivé. Et maintenant, il y a un, bon,
une autorité du pays qui est arrivée. Il est arrivé, il saluait tout le monde. Il est arrivé devant moi, il m'a salué. C'est une manifestation. Je ne sais pas, j'étais avec qui. Il y avait des gens ici qui étaient partis avec moi. À Maluku. Qui était parti avec moi? Quand je suis allé à Maluku. Il y a quelqu'un ici, non? Personne. Personne n'était allé. Toi, tu étais avec moi. Mais non, il y a un homme réputé Ndoki dans ce pays. Il est arrivé. Il venait pour saluer. Il accompagnait l'autorité là. Il m'a vu. Il a dévié. Il est allé ailleurs. Tu sais pourquoi? Quand tu es supérieur, l'inférieur a deux choix. Deux choix seulement. Soit il t'évite, soit il se soumet. Deux choix. Soit Akimi, soit Afukami. Soit Akimi, soit Afukami. Dis, je confirme cette parole au nom de Jésus. Soit Akimi, Afukami. Yamisa tu es athée. Deux choix. Mi balé. Soit ta kimi. Tu as fou kami. C'est ça les réalités. Yamanande bo solo. Que tu dois comprendre. Oye sengelo so solo. Cette période, je vais charger ton esprit. Comment je vais charger ton esprit? Tu n'as même pas idée. Ils comprennent ça. Mais non, si toi, tu es faible face à lui, c'est toi qui te mets à genoux. Si tu vois les chrétiens qui pleurent, c'est spirituellement, tu n'as pas réussi à élever ton esprit. Tu vois les dangers d'aller chez des enseignants qui t'enseignent la religion? C'est dangereux. C'est une affaire de dimension. Daniel était chef. Daniel a qui mon compte. Parce que son esprit était supérieur. Il y a des dimensions. Il y a des pimelo. Où on ne regarde plus. Oh, bah, t'as la calissoute. Toi. Yo. Mais non, le problème c'est que toi tu as des avantages. Bango. Ils cherchent la puissance. Baluka kamouya. Toi. Yo. Tu as la puissance. Osa nanguya. Au nom de Jésus. Maintenant, comment ceux qui croient en Jésus parfois se mettent à genoux devant les occultistes? Pendant que le nom qu'on a reçu est au-dessus de tout le nom. C'est la question qu'il faut se poser. Comment moi, je porte le nom qui est au-dessus de tout. Mais comment les sorciers arrivent à vaincre? Comment ils font? Les problèmes, l'ikambu, n'est pas ce que tu reçois. Isa oyo zwakate. Venez vous deux. Un chrétien, mon Christo. Sorcier. Ndoki. Viens. Une personne qui a compris les règles. Elle a compris les règles. Chrétien.
Alors, Naboy. Lui, Yé. C'est la chose de Dieu. Iloko eux tous Bangonios. Sont reliés à une seule chose. Bakangami ne loko moko. Ils peuvent briller Bakonginga. Par une seule puissance. Nguyamoko. Cette puissance est là. Nguyango yangoy. Lui, Yé. Il n'a, elle n'a pas accès. Yé, nzele peki semela yo. Parce que lorsque le diable a fait tomber Adam, il y a une limite. L'arbre qui mène à l'arbre de la vie, le chemin qui mène à l'arbre de la vie a été barré. Pour avoir accès à l'arbre de vie, il faut être un enfant de Dieu. Elle n'a rien. Lui, il a accès. Il vient. Il puise. Donne-lui quelque chose. Il a puisé. Il arrive là. Celle-là n'a absolument rien. Pour qu'elle puisse vivre, lui doit lâcher. Elle va se battre. Mais la montre ici. Elle fera tout pour avoir. Lorsqu'elle comprend que par la force c'est impossible, elle change. Elle va commencer des propositions. C'est ce que quelqu'un appelle distraction. C'est ce que la Bible dit, le diable par sa ruse. Le diable utilise la ruse parce qu'il sait que par la force il ne fait pas le poids. Par la force, elle va échouer même après 20 ans. La seule solution pour qu'elle reçoive, il faut que lui soit emporté par la ruse. Il y aura des propositions, beaucoup de choses. Il va te mettre dans une distraction incroyable. Pourquoi? Pour avoir ta lumière, la chose qui te rend supérieur. Tu comprends? Mais maintenant lui, il entre dans les péchés. Premièrement, il va perdre cette chose par la distraction, par le péché. Deuxième chose, on a tous une seule source, mais nous, nous devenons, nous sommes comme des canaux. C'est-à-dire Dieu donne, ça passe par nous. Là on exclut, ça passe par le 2. Maintenant il y a un souci. La qualité du canal influence la qualité de la chose qu'on a donnée. Qualité et loco ba pesi. La qualité du canal, qualité Angela, influence et la qualité, qualité de la chose qu'on a récupérée à la source. La nature doit vous enseigner. Prends l'eau pure, mets dans quelque chose de sale, tourne ça, balola, jette, waka, ça sera sale. Et comme salité, le canal Angela n'est pas propre. Et ça pétoté. Maintenant, elle, le canal est très propre. Ce que lui donne est très puissant. Quand il libère ça, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il donne à tout le monde. Il fait lever son soleil sur les bons et même sur les infidèles. C'est-à-dire il donne à tout le monde. Tant que tu crois, il donne. Mais maintenant, quand il donne, ça arrive là. Lui, à cause de son impureté, il réduit la puissance de cette chose.
L'impureté réduit la puissance de ce que tu reçois. La pureté n'augmente pas la puissance. Non. Mais ça maintient. Tel que c'est venu, de la même manière, ça va sortir. La pureté garde la chose à son état initial. L'impureté modifie. Dieu a donné quelque chose de puissant. Mais quand ça arrive ici, les deux sont comme des filtres. Elle va sortir ça tel que c'est arrivé. Dieu est ici. Mais nous n'allons pas manifester la même puissance. Pourquoi? Tu veux comprendre une chose? Le livre des juges, regarde ce que Dieu dit à la maman de Samson. Est-ce qu'on peut me donner ça? Je vais finir ici. Qu'est-ce que Dieu dit à la maman de Samson avant la grossesse? Il faut que tout le monde lise ça. C'est très important. La Bible dit dans le livre des juges 13:3-5, lis-moi ça. Juges 13:3-5. Écoutez, hein. Un ange de l'Éternel apparaît à la femme. Un ange de l'Éternel apparaît à qui? À la femme. À la femme. Et lui dit. Et lui dit. Voici, tu es stérile. Voici, tu es stérile. Tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Ça, c'est la promesse. Ok? Maintenant, regardez. Il y a la promesse. Mais regardez, juste à côté de la promesse, il y a quelque chose qui suit. Le problème de nous, les chrétiens, on s'arrête à écouter la promesse. Chaque promesse vient avec ses bikila. Tu comprends bikila, c'est quoi? Les interdits. Chaque promesse vient avec ses billes. Ne retiens pas seulement les promesses. Retiens aussi les billes de la promesse. Continue. Maintenant, prends bien garde. Maintenant, prends bien garde. Donc, ça veut dire, le jour où tu reçois la promesse, là, bam, comme un allélo. Hein? À partir d'aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, prends bien garde. Vas-y. Maintenant, prends bien garde. Hein? Ne bois ni vin ni liqueur forte. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Je sens qu'il y a un feu qui va s'allumer dans quelques secondes. Ne prends ni vin ni liqueur forte. Ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Ne mange rien d'impur. Tu entends? Est-ce que je peux parler maintenant? C'est qui va commencer à taper les gens? C'est la maman ou c'est Samson? C'est qui va taper maman ou Samson? C'est qui va sauver Israël? Maman ou Samson? C'est qui va relever des défis? Maman ou Samson? Mais pourquoi? On vient donner des bikilas à la maman. Et pas maman. Il fallait attendre juste Samson. On donne les bikilas à Samson. Mais pourquoi on donne les bikilas à la maman? C'est lui qui est un canal. J'ai envie de déposer mon micro, c'est fini. Nzela bisika Yesu alekela. Nzela bisika sekou ya famille kolekela. Nzela bisika lobi kwa famille kolekela. Nzela bisika lobi kwa Congo kolekela. Ce qui yon nzela, garde-toi pur. Viva te la peto. Quelque chose de fort. Et là moi ma casse devait sortir de cette femme. Et c'est que les kebimele pas moi chao. Quelque chose de puissant. Et là moi nguya.
quelque chose qui va changer les données. À cause de ce qu'elle est appelée à libérer. À cause de ce qu'elle va enfanter. Si ce que tu vas enfanter est fort, ce qui est à ma casse, si ce que tu vas enfanter est puissant, ce qui est à l'angouya, si ce que tu vas enfanter va étonner le monde, ce qui est à l'angouya, alors il y a des principes à respecter. Cette mère, maman, yo, si elle ne respectait pas les principes, ça, tout ce qui va mis en côté. Elle allait donner naissance à Samson. Mais un Samson faible. Un Samson qui va échouer. Un Samson qui ne va pas accomplir sa mission. À cause de ce que tu sais que tu seras. À cause de là où Dieu t'emmène. À cause du projet de Dieu sur ta vie. À cause de ce qui sortira de toi. À cause du Samson que tu as dans le ventre. À cause de Samson que tu portes dans ton ventre. À cause de la promesse que tu as reçue. À cause de la gloire qui t'attend. À cause de ta mission dans ce pays. À cause du projet de Dieu, à cause de ton rôle dans l'église, il y a des principes à respecter. Ça, c'est ma manière à moi. C'est ma manière de t'enseigner la pureté. Ne crains pas Dieu pour le ciel. Crains Dieu pour que ta semence ne soit pas modifiée. C'est pour que ta semence ne soit pas modifiée. Tu gagnes beaucoup quand tu crains Dieu. Tu gagnes beaucoup quand tu crains Dieu. Quand tu fuis les péchés, n'affaiblis pas la semence qui est dans ton ventre. Il y a quelque chose de fort qui doit sortir de toi. Tu as placé un Samson dans tes entrailles. Ce que tu produiras fera la différence. Ce que tu produiras va relever cette famille. Ce que tu produiras va changer l'histoire. Ce que tu produiras fera parler. Ce que tu produiras sera écrit sur des journaux. Ce que tu produiras sera étudié à l'école. À cause de Samson que tu portes. C'est ça ma prédication sur la pureté. Ce n'est pas pour le ciel. C'est pour que la qualité de ce que Dieu a donné ne soit pas modifié. Et ça pour qualité. Il y a un zamba pessi. Et bon, bon, à te. Et belé, ma soie, il a caminé. Mais coquille, ça m'y est le congé pessi moukie. Pourquoi il a caminé les résultats moukie? C'est-à-dire dans les ventes. Ça a été modifié. Et bon, moi, ma qui? Par la conduite.
Si tu es la maman de Samson. Soza maman Samson. Frère, si tu es la maman de Samson. Sœur, si tu es la maman de Samson. Jeune garçon, si tu es la maman de Samson. Respecte les Bikila. Tosa Bikila. Crains Dieu. Banganzabe. Sinon, je serai un pasteur. Qui se lève et qui dit reçois et tu ne reçois rien. Un pasteur qui dit reçois le miracle, il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Dieu donne toujours. Quand on lui demande, il donne. Mais c'est le canal. Par où la chose doit passer. Par où la chose doit passer. La qualité du canal. Qualité en cela. La qualité. Qualité en cela. C'est ainsi certains sont spirituels. Mais les esprits ne sont pas supérieurs. Daniel, son esprit était supérieur. Joseph, son esprit était supérieur. Là où Joseph a régné, ce n'était pas sur une terre sainte. C'était sur une terre étrangère. Là où régnait l'occultisme, c'est là où il est allé écrire son histoire. Dieu n'a pas de limites. Il suffit que ton esprit soit supérieur. La puissance Dieu va te donner. Mais quand ça arrive à toi, soit tu les diminues, soit ça garde son état initial. Quand ça garde son état initial, c'est là que Samson vient. Et il accorde des victoires. Mais quand ça perd en puissance, c'est là que tu enfantes des choses inutiles. Un business inutile. Un ministère faible. Un travail faible. Dans la famille, ton autorité est faible. Dans la nation, tu es faible. N'est-ce pas, l'heure est venue que les occultistes se mettent à genoux devant l'église. N'est-ce pas, l'heure est venue que les sorciers se mettent à genoux devant l'église. Au nom de Jésus, ce mois de janvier même, en 2021, au nom du Dieu que je prêche, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui est mort à la croix, en 2021, tu vas enfanter ton Samson. Quand Dieu nous appelait, moi et toi, il nous a choisis. Moi, il m'a dit, Moïse, va prêcher mon peuple. Va enseigner mon peuple. Va leur faire comprendre la Bible. Moi, quand Dieu m'appelait, je me suis vu. Je m'ai emmené dans une salle de classe. J'ai vu un tableau. Et on a commencé à m'enseigner. Toi, quand Dieu t'appelait, qu'est-ce qu'il disait? Va au Congo. Va gouverner. N'est-ce pas, il avait dit ça? Va dans ta famille. Va sauver cette famille. N'est-ce pas, il t'avait dit ça? Chacun a son Samson à enfanter. C'est quoi ton Samson? Samson on est nini. Chacun a son Samson à enfant. La mission de ta vie. Et si d'abord il y a ne regrette pas quand tu crains Dieu.
Ne regrette pas si on ferme une porte parce que tu as refusé de pécher. Moi que tu vois ici, je ne peux pas te donner la liste des portes qui ont été fermées dans ma vie parce que j'ai refusé des propositions. Mais je refusais ça pour que chaque fois je me lève ici, que tu sois béni. Reste comme ça. Je te donne le dernier passage. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta Bible. Regarde-moi. De Corinthiens 4:12. De Corinthiens 4:12, ça dit quoi? De Corinthiens 4:12. Ainsi la mort agit en nous. Écoute, ainsi la mort agit en nous. La mort, c'est le sacrifice. Koufa isambeka. Ainsi la mort agit où? En nous. Nous qui? Les missionnaires. Les appelés. La mort agit en nous. Koufa. La suite, c'est quoi? Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. La mort agit en nous. Vous faites ça, la et la vie agit en vous. Et ça, la bino. Vous ne comprenez pas ça? C'est-à-dire moi, je me prive de beaucoup de choses. J'accepte les sacrifices pour que vous puissiez avoir la vie. Bonsoir, bonsoir. On accepte le sacrifice, c'est là qu'on devient un leader. Accepter la mort en toi pour que la vie agisse sur ta génération, pour que la vie agisse sur la famille. Ta mission, ta responsabilité doit te pousser au sacrifice. Si tu ne vas pas manger, ne mange pas. Si tu ne vas pas boire, ne bois pas. Si on va te chasser, qu'on te chasse. La mort agit en toi pour que la vie agisse sur toute la famille. Si tu veux voir la vie agir sur ta génération, toi, tu dois accepter la mort. Si tu veux voir la vie agir dans l'église, toi, serviteur de Dieu, tu dois accepter la mort. Accepte, ça fera mal. Les gens vont t'insulter. Il y en a qui vont dire, Dieu t'a laissé. Quand tu passes, tu traverses cette période de la mort, c'est horrible. Et à ça, mon passe. Il y en a qui vont dire Nzamba Zakina Yatikiye. C'est la période où la mort agit en toi. Et c'est le coup fait ça là, Katina yo. Mais quand cette période passe, parce que cette période finit toujours par passer. La mort a agi en Jésus pendant 3 jours. La mort ne va pas agir en toi éternellement. La mort va agir pour un temps. Mais la vie qui sortira de toi, personne ne va arrêter ça. Je prophétise sur toi cette année 2021, ce qui sortira de toi, personne ne va arrêter ça. Tout terre,
Santa Rabasa. Rosso Torobabo Santa Cruz. Mare Sete. Laisse-le t'insulter. Laisse-le dire Dieu l'a abandonné. Tu ne vois pas comment il est devenu. Laisse-le parler. Laisse-le écrire. Laisse-le parler. La mort agit pendant 3 jours. Mais la vie agit éternellement. Glory le Seigneur. Je suis venu pour t'annoncer le début d'une nouvelle saison. Que tu remindes le prochain. Glorify the name of the Lord. Glorify Satan's mind. Glory de ses mains de l'égard. La mort agit pendant 3 jours. Le reste, c'est que la vie. C'est que la vie. Ta souffrance ne durera pas toujours. Tes larmes ne diront pas toujours. C'est pour un temps. Après, ça passe. Et quand ça passe, que tu vas sourire. C'est quand ça passe qu'il y en a qui vont demander pardon. Quand ça passe, ils vont s'agenouiller devant toi. Quand ça passe, ils viendront te supplier. Quand ça passe, le soleil se lève. Quand ça passe, la famille est restaurée. Quand ça passe, l'église est restaurée. Quand ça passe, les choses changent. Quand ça passe, le chose change. Quand ça passe, lève les mains. Dieu me parle du début. Le début d'une nouvelle saison. C'était la grossesse. Maintenant Samson va apparaître. L'heure pour toi de présenter Samson à la famille. Parce que ta famille dit toujours. Église en Okenda, tout le monde appelle l'autre. C'était l'heure de la grossesse. Et loko baluka ba mona. Tango ekoki ba mona ngo. Ce qu'ils ont toujours voulu voir. Ils voulaient voir quoi? Ils veulent voir quoi quand tu vas rentrer le soir à la maison? Quel est
Qu'est-ce qu'ils veulent que tu ramènes dans la famille? Qu'est-ce qu'ils veulent que tu ramènes dans le pays? Qu'est-ce qu'ils veulent que tu ramènes dans la génération? Qu'est-ce qu'ils veulent que tu ramènes dans l'église? Ce qu'ils attendaient, ils vont voir plus que ce qu'ils attendaient. Je prophétise pour cette saison au nom de Jésus. S'ils attendaient 10, ils vont voir 100. S'ils attendaient 100, ils vont voir 1000. S'ils attendaient 1000, ils vont voir 10 000. S'ils attendaient 10 000, ils vont voir 100 000. Ça ne va pas s'arrêter. Ma Bible dit, les femmes étaient en train de chanter. Ces femmes-là, chaque jour en Israël, elle était en train de dire, on est là, on est là. Goliath parle, rien ne change. Un jour, David s'est levé. David a tué Goliath. Les femmes qui parlaient ont écrit une chanson. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Ce qu'ils attendaient, toi tu vas ramener au-delà de ce qu'ils attendent. Va au-delà de ce que ta famille attend. Va au-delà de ce que ce pays attend. Je prophétise pour ma génération. Je ne prêche pas en 2021. Je ramène des bonnes nouvelles en 2021. Je ne prêche pas. Je ramène des bonnes nouvelles en 2021. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Laisse-moi prophétiser. David a tué 10 000. Les gens attendaient 1000. Lui, il a ramené 10 000. Il a donné au-delà de ce que la génération attendait de lui. Il a donné au-delà de ce que le pays attendait de lui. Si tu crois que tu es là pour faire au-delà, présente-toi, manifeste-toi. J'ai envie de parler à ceux qui vont dépasser la ligne, ceux qui vont faire au-delà. Là où on attendait 1000, David a ramené 10 000. Je parle à ta vie. Je parle à ton sang. Je parle à ton esprit. Je parle à ton sang. Le sang qui était maudit. Je parle à ton sang. Moi je suis en train de voir une ligne rouge. Je vois une ligne rouge que quelqu'un doit dépasser.
Nazomona bidon vide, nazomona bidon ya vide. Je demande à Dieu c'est quoi. Dieu me dit il veut remplir quelqu'un. Bidon vide. Dieu me dit il y a quelqu'un ici. Ici là. Il y a quelqu'un que Dieu veut remplir. Elle est où? Azawapi. Wapie. Dieu veut remplir cette personne. Toi, tu vas donner au-delà de ta zone, au-delà de ta famille, au-delà. Je vois même que tu es parti, tu es mort. Mais même après toi, ton héritage continue à bénir. Oh, touche là-bas. Simbaguna. Attention. Salakeba. Elle est en train de recevoir quelque chose de fort. Arrête ce lot, moi, ma casse. Oh, oh, oh. Oh, oh. Quelque chose de très fort. Et l'homme a ma casse, il pense. Elle est où? À Zawapi. Elle est où? À Zawapi. Oh, oh. Oh, oh, je vois en écrit éternel. Éternité. Dieu est en train de me dire ce que tu es en train de recevoir. C'est une chose qui va durer. Des générations après des générations vont profiter de cette chose. Prends-la, reçois-le. Ramène-le-moi ici. Les missionnaires de Dieu. Tu étais venu ici. Pour être rempli. Qui va t'arrêter? Qui va arrêter ton parcours? Qui va interrompre ta marche? David n'a pas su. Goliath n'a pas su arrêter David. Même des géants vont se lever. Mais personne ne va t'arrêter. Qui va t'arrêter? Même les anges sont en train de t'envier. À cause de ce que tu es en train de recevoir. Qui va te stopper? Qui va interrompre ton parcours? Ce soir, tu es en train d'entrer sur la liste. La liste de personnes qu'on n'arrête pas. Dépasse cette limite. Dépasse. Saoul a tué 1000. David 10 000. Je cherche cette génération. L'Éternel cherche cette génération. La génération qui va tuer 10 000. Un seul coup et 10 000 tombent. Je prophétise. Il y aura des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui vont se lever dans cette nation. Un seul coup, ils vont tuer 10 000.
Reçois si tu crois que tu es de cette génération. Reçois si tu crois que tu es David. Reçois si tu crois que tu vas tuer 10 000. Un seul coup, 10 000 vont tomber. Un seul coup, les combats vont finir. Un seul coup, les ennemis vont se taire. Un seul coup, les choses changent. Un seul coup. J'entends dans mes oreilles. Moïse regarde. Et quand je regarde, je vois un homme avec des galons. Je me dis, il veut élever quelqu'un au rang de général. Il y a quelqu'un dans ta famille. La sorcellerie est forte. L'occultisme est fort. Mais Dieu dit, il veut te placer au-dessus d'eux. Général, où es-tu? Général, wapio. Il est temps que nous puissions te saluer, général. Il est temps que nous puissions te saluer, mon général. Il est temps que tu joues ton rôle. Je te vois avec ta tenue. Je te vois, tu te lèves le matin. Je te vois, tout le monde te salue. Je te vois en train de recevoir l'honneur. Je te vois en train de recevoir le respect. Je te vois en train de donner des ordres. Je te vois en train d'écrire l'histoire. Je te vois en train de changer les choses. Mon général. Lève les mains en ma direction. Demande à Dieu une chose. Parce qu'aujourd'hui, j'entends dans mes oreilles Moïse. Je vais donner tout ce que son cœur désire. Aujourd'hui, ta prière n'a pas de limite. Il n'y a pas une seule chose que Dieu ne peut pas donner ce soir. Demande. Vas-y. Sete rebusate rebusate. E poto rubu sotto rubusate.
Emmenez-les là-bas. Les serviteurs, les intercesseurs, aidez. Mets-toi dans cette atmosphère, deux minutes. Prépare une offrande pour sceller ce moment. Les intercesseurs et les intercesseuses, venez aider rapidement.
Toi qui me suis à la maison, que le Seigneur te se souvienne de toi. Le dimanche, je vais continuer au premier et au deuxième culte. Et le mercredi prochain, on continue avec le même thème. Reprends le contrôle de ton monde. Ce n'est pas le monde qui va te contrôler. C'est toi qui vas contrôler ce monde. Un esprit supérieur. Où que tu sois, même dehors, on va sceller ce moment de prière. Ce moment est très spirituel. Sois béni. Vis la grâce de Dieu. En sortant d'ici, que ton esprit supérieur se manifeste. Domine. Domine. Que ce week-end qui commence soit un week-end de domination pour toi, de réussite, de facilité, au nom de Jésus. Amen. Sois béni. This program is brought to you by Moizmbiye Ministries. Welcome to Moizmbiye Ministries. Moizmbiye Ministries. Venez rencontrer Dieu.